Aïe, 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 aïe. Non, là, je crois que ça va pas. Je crois que ça va pas être possible. C'est pas qu'on veuille pas, mais là, ça va pas être possible. Ça... D'accord. Alors bon, on a hein, qu'on soit qu'il n'y ait aucun malentendu. On a bien compris. C'est la crise, la peste, le choléra. Il faut rester dedans, fermer les portes des villes. On a compris. On le fait. Là. Ça fait un mois que la seule distraction qu'on ait, c'est jour après jour, le rendez-vous avec un demi-croque-mort qui t'annonce le nombre de morts, le nombre de moribonds, et combien il va y passer. Et puis il n'y aura pas de vaccin. Et puis vous allez voir après, il y aura la crise. Voilà, donc on encaisse ça. On dit rien. On est responsable, on est citoyen. Ok. Mais là, ça ne va plus être possible. Non, même pas par rapport au parce que on a rien dit. T'as vu quand il y a un papier ou un simple, ben si c'est arrivé. Voilà qui avait pas le bon papier, ah pas la bonne case, parce qu'on a trouvé le moyen d'avoir une administration qui en 2 semaines a réussi à faire 2 papiers pour les sorties que tu signes. Toi-même. Bon, voilà, quoi. On n'a rien dit. Qu'il y ait une nana qui se fasse en manger parce que elle est allée chercher des serviettes hygiéniques, tu vois, et qu'on lui a flanqué 135 balles en lui mettant que c'était pas un produit de première nécessité. Tu te dis, bon, oh, C'est un mec qui a fait le PV, c'est un mec qui a fait le PV. Bon, d'accord, allez, ça va, ça viendra, ça, on n'a rien dit. On n'a même pas trop gueulé, je trouve. On n'a pas trop gueulé quand il y a une pauvre mamie qui s'est faite humilier, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'elle allait derrière la vitre de l'EHPAD, derrière la vitre, que t'es les virus, ils passent pas la vitre, tu vois, de l'EHPAD pour mettre des petits mots d'amour à son pauvre vieux qui perdait la tête là-dedans, quoi. Et alors elle y allait pour le tenir la tête à flot. On aurait dû lui donner la Légion d'honneur à cette pauvre vieille. On lui a flâné 135 000. Eh mais oui, alors évidemment, on a gueulé là quand même assez pour que le brigadier chef et le préfet se sentent un peu merdeux et qu'ils disent non, mais en fait là c'est une erreur quand même. Ben oui, c'est une erreur. Oui. Et attends, mais bon, on est resté calme. Hein, on est resté calme. Bon. Mais là, non, ça va plus être possible. Je suis désolé. Non, parce que voilà pas que par chez nous, on sort l'hélico. L'hélico, le bleu. Tu sais, celui qui d'habitude vient nous chercher en montagne, l'hélico des anges gardiens, tu sais, c'est type là. Il y a de la valeur là-dedans, quoi. Eh bien, on le sort, l'hélico. Alors, l'hélico, c'est 2000 balles l'heure, hein. C'est 2000 balles, c'est le PIB de l'Ariège pour un an, tu vois. Ben là, 2000 balles l'heure, pour quoi faire? Pour aller choper les chercheurs de Morille. Ça pas, non. Je passe sur le fait que au Morille, tu y vas seul. Toujours seul. Attends, tu veux pas que les gens ils connaissent ton coin, non? Alors tu y vas seul. Toujours. C'est un exercice solitaire, les champignons, bon sang. Il faut comprendre, ça c'est solitaire. Si jamais tu vois quelqu'un à moins de 350 mètres, tu y vas pas aux champignons. Tu te caches, tu te planques. Tu peux y choper des tiques, tu comprends? Tu peux y choper la gale. Tu peux y choper la cagade quand tu vas aux champignons. Mais tu peux pas y choper de virus. C'est pas possible. Non. Alors sortir l'hélico pour foutre 135 balles à un type qui cherche les champignons est un non-sens. Un non-sens, mais surtout, c'est le feu aux poudres. Tu peux pas. Tu peux tout demander à un Ariégeois. Comment? Tu peux même lui demander, comme ça, en fin d'apéro, sur un moment un peu lâché, tu peux lui demander de rouler un palo à un ours. Tu peux. Peut-être même qu'il le fera. Mais renoncer aux champignons,
Ça, tu peux pas. Non, 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 me faites pas le truc. Oui, mauvais citoyen, oui, responsable, mais tu te rends pas compte. Si, je me rends compte. Je me rends compte qu'il est un produit de première nécessité. C'est le champignon. Mori, Youssef, on ne peut pas renoncer. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut trouver des solutions. Voilà, trouvons des solutions. Eh bien, trouvons des solutions. Le papier, par exemple. Eh bien, le papier, tu rajoutes une case. La case champignon. Je suis ouvert. Mori, Sep. Le reste, laissons. Les mousserons, laissons. Voilà. Mori, Sep. Cocher et rayer la mention inutile. Tu vois, et là, tout s'arrange. Là, tout s'arrange. Et l'hélico, si tu veux vraiment me faire tourner l'hélico, si ce truc-là rouille, si t'as peur qu'après on ne sache plus s'en servir, d'accord ? Eh bien, j'ai une idée, l'hélico. À la frontière. À la frontière du département. Et heureusement, d'accord. Et là, t'envoies les brigades pour surveiller, pour qu'il n'y en ait pas qui viennent chercher les champignons. Parce que ça, oui, attention, ça non, hein. Ça non, hein. Virus ou pas. Ici, les champignons, confinés. Merde. Et comme ça, on sera copains. Hein? Allez. Après, moi, je dis ça. Je dis rien.